Le concept de security branding est né d'un triple constat fréquemment éprouvé en entreprise. Celui d'une sûreté qui souffre d'un déficit d'image, qui est trop éloigné du core business de l'entreprise et dont l'efficacité est fortement liée à l'adhésion des collaborateurs. Il faut donc agir sur cette perception en créant de la valeur sûreté. Or, la création de valeur est au cœur du marketing qui accorde une place importante à la gestion de l'image de marque. C'est précisément la définition du branding. Il s'agit donc de changer l'image de la sûreté à travers une approche marketing pour favoriser l'adhésion des collaborateurs et renforcer ainsi le niveau de sûreté. Au cœur du marketing, il y a la notion de marque, une marque qui doit avoir une identité forte pour susciter l'intérêt du collaborateur et l'identification à la fonction sûreté. Cette marque possède des attributs classiques tels qu'un logo, une signature, son slogan, ou des valeurs revendiquées telles que la bienveillance, l'innovation ou encore la performance. Elle s'appuie sur des vecteurs, des formules choc, des mascottes ou encore des produits dérivés qui sont distribués à différentes occasions. Il convient ensuite de définir la mission de cette marque sûreté, à savoir ce que la marque souhaite apporter à ses clients. Ce peut être par exemple le juste niveau de sûreté pour tous. Pour tirer plein bénéfice de l'influence que peut générer la marque sûreté, il y a deux prérequis respectés. D'abord, un dispositif de sûreté robuste et constamment adapté à la menace. Et enfin, la prise en compte des attentes, des besoins exprimés par les collaborateurs. L'adhésion des collaborateurs s'obtient par le storytelling, en racontant une histoire qui peut être celle d'une sûreté bienveillante et business partner. Cette histoire, il faut la raconter en dehors du périmètre fonctionnel de la sûreté, là où on ne l'attend pas, pour avoir plus d'impact. Elle s'exprime à travers des supports divers, tels que des roll-up thématiques, des vidéos, des flyers, ou encore de manière plus originale, par des mascottes animées par des comédiens. On peut également réaliser des opérations promotionnelles, des vie-ma-vie, des quiz avec remise de cadeaux aux gagnants, le tout sur un ton raisonnablement décalé. C'est un élément essentiel puisque de nombreuses sensibilisations rebutent les collaborateurs par leur ton trop institutionnel. Le security branding est une approche innovante, efficace et surtout facilement transposable d'une démarche sûreté appliquée à différents types d'organisations. Mis en œuvre en entreprise, il a permis d'y renforcer significativement la culture sûreté. Parmi les résultats marquants obtenus, on peut citer une notoriété, une attractivité renforcée pour le service sûreté, une visibilité accrue à travers une audience d'un haut niveau sur l'intranet de l'entreprise, un taux de satisfaction élevé des collaborateurs dans l'exécution des prestations de sûreté, et enfin et surtout, une élévation du niveau de sûreté, notamment à travers un taux de port du badge en hausse sur l'ensemble des sites.